y a du sang, hein. Ah, j'aime bien ces chansons. Je connais pas. Je pourrais dire qu'elle est une femme un peu âgée. Pardon, Zazie. Elle joue un peu à la gamine comme si c'était un enfant, quoi. Son look est sympa, un peu décalé. Elle a retrouvé la ligne rapidement après être enceinte. Elle s'inspire un peu du style Obispo. Zen, soyons zen. Tadam, tadam. Zen, soyons zen. Du sang froid dans nos veines. Zen, soyons zen. Non, je m'excuse pas du tout. Zazie, pourquoi est-ce que tu chantes pieds nus? Je suis pas sûr si t'en as ou pas, mais des tatouages, si t'en as et leur signification, voilà. Tu préfères les cheveux longs ou les cheveux courts? Pourquoi tu t'appelles Zazie? De la vache, vaste problème. Ça va dans l'ensemble. Zazie, c'est pas mon vrai prénom, c'est mon vrai surnom, je dirais. Donc voilà, donc j'ai toujours. Puis mon nom de famille, c'est De Truchy de Varenne, et sincèrement, sur une pochette, je voyais pas comment ça pouvait rentrer, tout ça. Donc voilà. Et puis Zazie, c'est aussi un roman d'un monsieur qui s'appelle Raymond Queneau, et que j'aime beaucoup. C'est l'histoire d'une petite fille parisienne, un peu titi parisien, comme ça, qui fait pas mal de bêtises, dans laquelle je pouvais éventuellement m'identifier étant petite, puisque moi-même j'étais assez pique-pendresse.